Arrête une seconde, on va faire un post-check. J'ai un pouls. Bon travail, groupe. Belle simulation. Félicitations, bravo, c'est parfait. On va aller en jaser au débrief dans une minute. Maintenant. Alors, moi, je m'appelle Richard Valdolf. Moi, je suis un médecin de famille anesthésiste. Et je suis le directeur du programme de simulation ici à l'Institut du Savoir Montfort. Pour vous donner un petit background, j'ai grandi à Orléans. J'ai fait toute ma vie à Ottawa au point de vue de mes formations. J'ai fait ma médecine ici, ma résidence à Ottawa, et ensuite j'ai fait des formations en anesthésie. Ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai trouvé que j'ai adoré mes expériences avec ce qu'on appelait de la simulation. C'était nouveau, et essentiellement, comme vous voyez ici, c'était un peu comme jouer avec des mannequins. Mais ce que j'ai réalisé pas mal vite, c'est que c'est un outil très, très, très efficace pour apprendre et pour enseigner à d'autres mondes. Alors, je me suis dit, moi, je veux m'impliquer davantage dans ce domaine-là. Alors, j'ai fait des études supplémentaires ici à l'Université d'Ottawa en simulation. Et par la suite, j'ai eu la chance d'avoir un poste ici pour pouvoir aider les autres à développer leurs compétences pour enseigner davantage en simulation. Et on a un laboratoire ici, essentiellement juste là. On a le coin, un étage plus haut, où on fait des formations quasiment chaque jour pour les employés de Montfort, pour des gens de l'extérieur. Et c'est une opportunité pour que les gens puissent venir pratiquer des événements, que ce soit des urgences, que ce soit des habiletés techniques, pour pratiquer autant que possible. Comme ça, quand ça vient le temps de le faire sur des patients, ils ont eu beaucoup de pratique puis ils se sentent beaucoup plus à l'aise. Alors, le but de la présentation aujourd'hui, c'est de vous parler un peu de ce qu'on fait, un peu de ce qui s'en vient et un petit peu aussi d'où on est venu. Parce qu'on pense que la simulation, ça a commencé récemment, mais vous allez voir, ça fait des centaines d'années qu'il y a des simulations qui ont lieu. Alors, il y a des photos intéressantes. J'aime ça les partager. Une petite histoire rapide pour vous donner une idée pourquoi je me suis impliqué davantage en simulation. Quand j'étais étudiant en médecine, j'avais pris un cours de simulation et il y avait une urgence qui s'était passée. C'était un peu dans le domaine de l'anesthésie. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé dans les simulations. Le patient a eu son rythme cardiaque qui a diminué. Puis ensuite, il fallait que je décide quel médicament donner. Et il y en avait deux. J'ai donné celui qui fonctionnait moins bien. Et ce qui finit par arriver, c'est que le patient est allé en crise. Puis il fallait faire des compressions, il fallait choquer le patient. Et par la suite, j'y ai pensé longtemps. J'ai dit peut-être que j'aurais dû donner l'autre médicament. Si on avance de peut-être 5 ou 6 ans, je suis un anesthésiste, je suis en pratique. Je suis en train de faire une opération où j'ai un patient endormi et son rythme cardiaque baisse, baisse, baisse. Et c'était exactement la même situation qui se reproduisait. Je me suis souvenu rapidement de comment c'était dans la salle quand j'avais fait la simulation. Cette fois-ci, j'ai donné le bon médicament et on n'avait pas nécessairement besoin de réanimer le patient de la même façon. Alors ça, c'est un moment qui a cliqué pour moi pour dire « je vois à quel point c'est utile puis ça marche ». Alors, pour ceux qui sont impliqués dans le monde de la simulation, on sait que ça marche. Mais pour ceux qui ne sont pas impliqués, c'est un petit peu difficile de venir rentrer dans ce monde-là parce que c'est un petit peu intimidant. On voit plein d'équipements ici. On voit des robots. Les gens ont peur de faire des choses en avant de leurs collègues parce qu'ils ont peur de faire des erreurs. Mais tranquillement, avec le temps, on est en train de changer cette culture-là pour que les gens viennent, pratiquent, fassent des erreurs puis qu'on apprenne ensemble pour pas que ça se fasse en vraie vie chez des vrais patients ou des vraies patientes. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va parler brièvement de ce que c'est la simulation. On va parler des différentes modalités. Ça, ça veut dire les différentes façons de faire de la simulation. C'est pas tout avec des mannequins comme ça. Il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites, qui sont beaucoup moins fancy, qui coûtent beaucoup moins cher et qui peuvent être faites par n'importe qui. Alors, c'est des bonnes façons d'apprendre, puis c'est peu coûteux. On va parler un peu de l'historique. On va parler des nouvelles technologies en simulation. J'ai mis anatomie d'une simulation parce que je vais vous parler très brièvement de c'est quoi les étapes quand on veut faire une simulation avec des apprenants. Et il y a une raison que tout est en arrière de moi, allumé ici. On va faire une simulation pour vous donner la chance de voir c'est quoi. Et la clé pour vous, c'est de comprendre que oui, il va y avoir une action qui va se passer ici pendant quelques minutes, mais c'est le debriefing qui se passe après. La discussion qu'on a en équipe, pour parler de ce qui est bien allé, pour ce qui était difficile, puis de quoi on peut apprendre sur l'urgence qui a eu lieu, c'est là vraiment la force de la simulation parce qu'on va apprendre en groupe. Alors, ce n'est pas juste les gens qui participent qui apprennent, c'est tout le monde. Et c'est pas mal ça qu'on va voir aujourd'hui. Heureusement, vous n'allez pas être obligé de m'entendre parler tout le long.
il va y avoir la simulation qui va se passer aussi. Alors, avez-vous une idée de ce que c'est la simulation? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des idées, qui ont vu ça dans d'autres domaines autres que la médecine? Parce que ça existe partout. Pardon? La NASA. La NASA, ben oui. Pour tout ce qui est aller dans l'espace, les astronautes pratiquent pendant des mois et des années. Ils pratiquent toutes les urgences possibles. Comme ça, quand c'est le temps de monter dans l'espace, ils ont pratiqué chaque urgence plein de fois et ils savent quoi faire. Alors, merci. C'est un très bon exemple. Pardon? J'espérais que quelqu'un dise ça. Les pilotes d'avion, le domaine de l'aviation, c'est un domaine exceptionnel. Les gens, dans la culture, ils ont droit de faire des erreurs. C'est permis. Et quand ils font leur simulation, c'est encouragé d'avoir des erreurs. Comme ça, ils vont apprendre de ces erreurs-là avant d'aller dans les avions. Il y avait dans les nouvelles aujourd'hui, il y a un avion avec une roue qui a explosé au décollage de New York, puis il s'en venait à Toronto. Eux autres avaient sûrement pratiqué ça à plusieurs reprises. Quoi faire s'il y a de l'équipement qui ne fonctionne pas bien? Alors, c'est pour ça que les gens après ont dit que le pilote a resté calme, tout est bien allé. Il y a des exemples quasiment à chaque jour d'urgences qui sont prévenues parce que les gens ont pratiqué. Alors, merci beaucoup pour cet exemple-là. D'autres exemples? Parfait, c'est des super bons exemples. En médecine, on l'utilise un petit peu partout. On peut l'utiliser pour des crises, on peut l'utiliser pour pratiquer des procédures, on peut l'utiliser pour pratiquer d'autres habiletés techniques, comme par exemple le RCR, comme on a vu ici. On avait des gens qui pratiquaient au début à faire des compressions. Il y a différents outils qu'on peut utiliser. Voilà très longtemps, quand moi j'étais sauveteur, c'est ça qu'on utilisait pour pratiquer le RCR. C'est juste, dans le milieu, il y a un petit ressort et on pousse. Et on respire dans la bouche. C'est pas mal de base, mais l'idée était bonne et c'était de faire pratiquer les gens. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de feedback. On ne savait pas si on le faisait bien ou pas bien. Avec les nouveaux mannequins, on a différents outils. Ça peut être des lumières ou ça peut aussi être des appareils comme des ordinateurs qui nous disent « Vous poussez 85 % du temps assez vite, mais vous ne poussez pas assez creux. » Alors là, les gens peuvent essayer 30 fois puis peuvent vraiment perfectionner cette technique-là. Parce que ça, ça a été prouvé que ça sauve des vies. Le RCR, ça sauve des vies. Et avoir des DEA, comme on a dans les arénas, comme on a dans les bibliothèques, à plein de différents endroits, on pratique comment utiliser ça parce que c'est le genre de choses que si on pratique plein de fois, quand la crise arrive, on est moins stressé puis on est capable de penser puis de dire « OK, il y a quelqu'un qui ne va pas bien, va chercher la DEA, moi je vais commencer à pousser. » Alors, ça devient un peu un réflexe pour les gens. Alors, on essaie de pratiquer ça en médecine autant que possible, mais pour tous les gens dans la société, avec les cours de RCR que vous prenez par vous-même, plus vous pratiquez, plus vous allez vous en rappeler. Puis, je vais vous dire un petit secret. Les gens en médecine oublient beaucoup aussi. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin de pratiquer davantage. Les gens qui viennent faire des cours de RCR, il y en a des fois qui ne sont pas super bons avec leur compression parce qu'ils ne les ont pas fait depuis un an ou deux. C'est quelque chose qui est très rare, mais on veut que tout le monde soit capable de le faire comme il faut parce que c'est ça qui sauve des vies. Alors, la question de la simulation de ce que c'est, pour que vous ayez une définition, c'est une expérience qui va soit augmenter certaines émotions ou qui va créer certaines émotions pour faire en sorte qu'un apprenant va vivre une expérience et pouvoir penser par la suite comment est-ce que j'ai réagi et qu'est-ce que je pourrais faire de différent la prochaine fois. On l'utilise beaucoup pour faire ce qu'on appelle des habiletés non techniques. Des choses comme la communication, des choses comme le leadership. C'est des choses qu'on n'a pas souvent la chance de pratiquer. Mais si on pouvait avoir quelqu'un dans une simulation et dire, écoute, aujourd'hui, on va vous parler de la communication. Je veux que vous travailliez sur donner des instructions claires aux gens. Parce que dans le brouhaha d'une crise, si vous voyez à la télévision quand il y a quelque chose qui ne va pas bien dans une urgence, dans une émission avec des médecins, il y a plein de gens qui crient, il y a plein de choses qui se passent en même temps. Des fois, c'est très mal organisé et c'est difficile. Alors, si on pratique la communication, puis on dit à tout le monde, essayez de rester calme quand vous êtes le leader, parce que si vous êtes calme, le reste de votre équipe va être calme. Et ça, ça va aider les patients autant que possible. Ça. Aviez-vous une question? Je voyais. OK, ça avait l'air comme si la main était levée. Alors, ça, c'est juste un exemple de comment les gens peuvent travailler en équipe. Et ça, c'est un exemple d'une technologie qui s'en vient. Toute l'idée de la réalité virtuelle. Je ne vais pas en parler en grand détail, mais il y a des choses incroyables qui se font en éducation médicale en ce moment. Par exemple, il y a un outil où moi, je peux être le professeur, je peux avoir un mannequin spécial ici, tous les apprenants mettent des lunettes spéciales et on peut voir, par exemple, un bébé à l'intérieur d'une mère qui est enceinte.
et on peut voir le processus du bébé qui accouche. Et tout le monde peut voir les étapes. Ça se passe avec un ordinateur. Alors, des fois, on veut pratiquer la technique, mais au début, peut-être que les gens veulent juste le voir pour savoir une idée de à quoi s'attendre. Alors, il y a plein de choses qui se font avec la réalité virtuelle. Et nous, on a un projet à l'Institut du Savoir Montfort où on utilise ça pour aider les infirmières de d'autres pays qui viennent ici à pratiquer un peu les interactions, parce qu'au niveau de culture, des fois, il y a des différences. Alors ça, c'est un exemple de comment on utilise ça ici dans nos recherches. Alors la simulation peut être utile pour ça. Ça, c'est mon exemple préféré. Quand je demande aux gens, surtout les étudiants en médecine et les résidents, quand vous pensez à la simulation, pensez-vous aux agrumes? Non, personne ne pense à ça. Mais on utilise ça régulièrement pour faire différentes procédures. Quelqu'un dit les... Exactement, pour faire des injections. C'est très semblable à la peau humaine. Vous pouvez voir mon petit laser ici. Il y a différentes couches dans la peau et il y a différentes couches dans l'orange. Alors, faire une injection, c'est une bonne façon de pratiquer. Si on veut faire ce qu'on appelle une biopsie de la peau, quand on veut enlever un petit morceau de peau, disons que vous avez un grain de beauté qui a l'air un petit peu bizarre. Des fois, on veut enlever un petit morceau puis l'envoyer à un laboratoire pour voir si c'est un cancer. On ne veut pas trop enlever de peau, on veut juste envoyer le bon montant. Avec l'orange, on peut le faire 150 fois sur la même orange et pratiquer pour s'habituer. Comme ça, quand on le fait chez un patient ou une patiente, ce n'est pas la première fois qu'on le fait. Alors ça, c'est mon exemple préféré. Et pas toujours, mais on est capable de manger le fruit après si on a vraiment faim. Ça pour moi, c'est toujours un avantage. Les raisons d'utiliser de la simulation sont très nombreuses. J'en ai mentionné plusieurs, mais juste l'idée d'avoir une observation directe. On peut faire une simulation, on peut utiliser une vidéo, et ensuite, on peut montrer à l'apprenant par la suite. Regardez ce qui est arrivé. J'ai vraiment aimé la façon que tu as fait ça et ça et ça. Et des fois, l'apprenant va dire, je savais même pas que j'avais fait ça, je n'avais pas réalisé. Mais là, tu es capable de leur dire, bien, ce que tu as fait, c'était bien. Explorons pourquoi tu as décidé de le faire comme ça. Comme ça, on peut renforcer ce comportement-là pour que ça fasse du sens la prochaine fois et que ce soit un réflexe. Les événements infréquents, mais à haut risque. Ça, c'est un sujet très intéressant. Un exemple, ce serait comme une réaction anaphylactique. Dans la société, on sait que les gens sont allergiques aux arachides. Beaucoup de gens ont des épipènes sur eux, mais il y a très peu de gens qui ont pratiqué à l'utiliser. C'est le genre de choses qu'on veut pratiquer. Comme ça, quand il y a une urgence, on ne tient pas à l'envers, on ne tient pas l'aiguille en dessous de notre pouce puis on se pique par accident au lieu. Il y a plein d'histoires de ça. Alors, pratiquer ça, c'est un exemple d'une simulation pour que les gens puissent le pratiquer par eux-mêmes. Alors, dans la société, les compagnies qui font les EpiPen, eux autres, ont des EpiPen de pratique. Alors, il y a des facilités. Les enfants, surtout, peuvent pratiquer à le faire sur eux-mêmes plusieurs fois. Comme ça, ils n'ont pas peur si jamais ça se passe à eux ou à un de leurs amis. La sécurité, c'est probablement le point le plus important. Et on pense toujours à la sécurité des patients. Mais pour moi, comme pédagogue, moi, je pense beaucoup, je pense aussi à la sécurité des patients, on va être clair. Mais je pense aussi à la sécurité de l'apprenant. Un apprenant qui est en avant d'un patient qui a besoin de faire une procédure pour la première fois, ça peut être super intimidant. Puis ils peuvent se sentir super mal à l'aise, mais ils ont trop peur de le dire parce qu'ils ne veulent pas que moi je sois déçu dans leur performance. Alors, si on peut faire de la simulation plusieurs fois, par le temps qu'on arrive à un patient, moi je peux dire, écoute, je t'ai vu le faire 20 fois, je sais que tu es capable, puis je suis à côté de toi, on va le faire ensemble. Eux autres se sentent plus à l'aise, les chances sont que ça va mieux aller. Les patients vont se sentir plus en sécurité parce qu'ils vont m'entendre dire « tu l'as déjà fait 20 fois, so, inquiète-toi pas ». Et aussi pour l'instructeur. Des fois, c'est pour moi, si je veux que mon apprenant fasse une procédure, mais que je ne l'aurais pas vu faire la procédure, je ne veux pas dire à l'apprenant « tiens, essaye-le sur cette personne-là. Madame Tremblay, ça ne va pas lui déranger si tu l'essayes. » Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais des fois, en tant qu'instructeur, on a certaines... on veut maximiser l'apprentissage pour les apprenants. So, des fois, il y a comme un dilemme. Est-ce qu'on veut les laisser le faire? Je ne suis pas certain s'ils le font parfaitement, mais... alors, des fois, les instructeurs se sentent mal à l'aise aussi. Alors, on veut que tout le monde soit confortable et tout le monde soit en sécurité. Alors, en faisant la simulation, on fait en sorte que tout le monde a la chance de pratiquer, tout le monde se sent à l'aise puis tout le monde est en sécurité. Alors, ça, c'est l'idée d'avoir un environnement contrôlé. On peut le refaire encore et encore et encore pour que tout le monde soit à l'aise. C'est aussi une super belle opportunité pour faire de la rétroaction. Faire des points de suture, c'est quelque chose qui prend du temps à apprendre. Si on les pratique par nous-mêmes, c'est une chose, mais si on les pratique, vous êtes correct?
Ben, je voulais m'assurer que vous étiez correct. Hein. C'est bon, OK. Alors, on peut donner de la rétroaction pendant que ça se passe. Je peux dire, OK, la façon que votre aiguille est placée en ce moment, ça va faire que vous allez peut-être déchirer la peau. Vous m'inquiétez, là. Vous êtes bonne? OK. Un autre exemple classique, c'est les examens sensibles. Il n'y a rien qui stresse plus les étudiants en médecine que de faire un examen gynécologique pour la première fois. Tout le monde est mal à l'aise, puis on ne veut pas que ce soit inconfortable pour la patiente. Alors, si on peut pratiquer 100 fois sur un mannequin, on a des bassins sur lesquels on peut pratiquer encore et encore et encore. Des choses comme des tests PAP, ça peut se pratiquer. Comme ça, les gens savent un peu à quoi s'attendre, puis sont moins mal à l'aise pour le faire. Alors, ça, c'est un exemple classique pour certaines procédures qu'on veut que les gens aient beaucoup de pratique avant de le faire chez des patientes. Et pour le travail d'équipe. Comme j'ai mentionné, les habiletés non techniques comme la communication et le leadership, c'est des choses qu'on peut pratiquer encore et encore et encore. Et souvent, les gens n'ont pas la chance de pratiquer ça. Alors ça, c'est quelque chose que je mets beaucoup d'emphase dessus. Habiletés non techniques, comme j'ai dit. Les deux autres qu'on discute souvent, il y a une chose qui s'appelle la conscience situationnelle. C'est de savoir qu'est-ce qui se passe autour de nous. Quand moi, je fais une simulation, quand je suis dans une crise, si moi, je bloque le moniteur parce que je vais être proche du patient, ça n'aide pas l'équipe parce qu'eux autres ne peuvent pas voir ce qui se passe là-dessus. Alors, si personne ne me l'a jamais dit, je ne vais pas le savoir. Puis au milieu d'une crise, si mon équipe ne se sent pas à l'aise de me parler, ils ne vont pas dire « Hey, tasse-toi, on n'est pas capable de voir. » Mais si on pratique encore et encore en équipe, les gens vont apprendre à se connaître, ils vont être à l'aise de se dire « Tasse-toi un peu » ou « Laisse-moi t'aider avec ça, je vois que tu as de la difficulté. » Alors, les gens vont avoir moins peur de faire ça. Parce qu'on ne veut pas déranger les gens dans une crise quand il y a plein de choses qui se passent en même temps. On veut tous s'aider. Alors, c'est pas mal ça. Des idées d'habileté technique. Ça, c'est vraiment des choses comme des procédures. Alors là, vous voyez une variété de choses. On est capable de préparer et de pratiquer tous ces genres de simulations-là. Nos techniciens en simulation ici ont des outils pour créer de la peau. C'est comme du silicone, mais ça a la même texture. Puis, eux autres sont capables de créer des lacérations qu'on peut mettre sur des mannequins. Et les gens peuvent pratiquer à coudre et à recoudre et à recoudre les lacérations. Puis ensuite, on peut couper les fils et le refaire encore et encore. Alors, ça sauve de l'argent. Les gens peuvent pratiquer plein de fois. Puis, ça fait que nos techniciens en simulation peuvent avoir bien du plaisir aussi. Parce que c'est le fun pour eux autres de créer ça. Ils créent toutes sortes de choses. Le melon d'eau. C'est un de mes exemples préférés pour les épidurales. Est-ce qu'il y a des dames ici qui ont déjà eu une épidurale avant une grossesse? Vous étiez contente de voir l'anesthésiste qui rentrait dans la salle, hein? Hein? Des fois, les femmes me crient « Vous êtes mon meilleur ami! » Je suis comme « Non, 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 c'est votre conjoint qui est votre meilleur ami, mais moi, je suis ici pour aider un petit peu. » Alors, pour l'épidurale, on peut pratiquer les épidurales sur des melons d'eau parce qu'il y a différentes couches et ça change la résistance un peu de la même façon. Là, on a beaucoup de modèles de simulation qu'on peut utiliser aussi, mais ça coûte super cher. Alors, pratiquer sur un melon d'eau avant, sur une journée chaude d'été, ça peut aider aussi. Vous pensez que je suis obsédé avec manger, hein? Parce que je parle toujours de ça. Voici les différentes modalités de la simulation. Vous pouvez voir le laser ici. Des choses aussi simples qu'un jeu de rôle. Les gens disent, bien, c'est peut-être pas aussi réaliste que le mannequin. Mais moi, je fais l'argument qu'interagir avec une vraie personne, il n'y a rien de plus réel que ça. Si vous posez des questions à quelqu'un, puis il faut parler d'un sujet très délicat, c'est bien mieux de le faire face à face que de le faire avec un mannequin puis quelqu'un qui parle dans une voix à travers le mannequin. Alors, des jeux de rôle sont super efficaces. Des patients standardisés, c'est quand on ajoute un peu un script. Alors, disons qu'on voudrait qu'un apprenant pratique comment poser des questions sur quelqu'un qui a de la douleur thoracique, qui pourrait être un infarctus ou une attaque de cœur. On peut pratiquer ça, puis les patients peuvent répondre des réponses très spécifiques qui vont permettre à l'apprenant de dire « OK, c'est peut-être plus une attaque d'asthme qu'un infarctus pour diverses raisons. » Alors ça, c'est l'idée d'un patient standardisé. Une tâche partielle, c'est l'exemple que j'ai donné avec un accouchement. Je vais vous montrer une photo dans un instant. On est capable de simuler les accouchements où on a quelqu'un qui a un bassin en plastique sur eux, on met une petite couverture pour couvrir leurs jambes, et eux autres sont capables de pousser le bébé à travers le bassin, et les gens sont capables de pratiquer les manipulations pour sortir le bébé à l'autre bout. Encore une fois, ça se pratique sans arrêt et ça fait en sorte que quand les vrais bébés viennent, on est mieux préparé. Les simulations hybrides, c'est mes préférés. Je vais vous parler en 2 secondes, je vais vous montrer la photo puis ça va tout expliquer pour vous. Et finalement, les mannequins, comme on voit ici,
Il y a plein de différents mannequins qui existent, puis on est capable de les utiliser pour une variété de raisons. On peut mettre des intraveineuses, on peut faire des compressions, on peut mettre des épidurales, on peut faire plein de choses. Alors, c'est ça. Le problème, c'est que ça coûte excessivement cher pour les mannequins. Alors, c'est pour ça qu'on essaie souvent de remplacer ça par d'autres choses. Ça, c'était ma simulation préférée de ma vie. J'ai donné un atelier avec une collègue qui était obstétricienne, et c'était un atelier sur comment accoucher un bébé sur le bord de la route. Parce que ça se fait dans l'hôpital, puis on a plein de choses avec nous. Mais quelque chose d'aussi simple que clamper le cordon ombilical quand le bébé sort, si on n'a pas la clampe de plastique, qu'est-ce qu'on fait? Puis on a demandé ça à des médecins et des infirmières, puis t'es comme, j'avais jamais pensé à ça avant. Alors on a fait une discussion dans une classe. Ensuite, on a dit, prenez vos manteaux, on va aller dehors. On est allé dans le stationnement de l'hôpital d'Ottawa, et en arrière de cette minivan-là, on avait une patiente qui criait pas mal fort. C'était une actrice. Elle jouait super bien son rôle. Et tous les apprenants ont eu la chance de pratiquer de qu'est-ce qu'ils pouvaient utiliser pour aider à accoucher un bébé à l'extérieur de l'hôpital. T'sais, le bord de la route, c'était juste un exemple pour être un peu extrême, mais des fois, ça va arriver. Ça arrive des fois dans les stationnements des hôpitaux. Les gens n'ont pas la chance de se rendre dans l'urgence puis de se rendre en haut. Alors, les gens ont vraiment apprécié cette simulation-là. Le seul hic, c'est que c'était tellement réaliste qu'il y avait une dame à un étage plus haut qui a vu, puis qui a entendu la femme crier, puis qui a pris son téléphone pour appeler 911. C'est une vraie histoire. Alors, mon collègue, Dr. Wolterton, son nom est en bas là, parce que c'est lui qui a pris les photos. Lui, il dit non. Il a couru jusqu'en haut, puis il lui a dit c'est une simulation. On avait mis peut-être 50 pancartes. Il y avait des pancartes sur toutes les portes, sur tous les poteaux qui disaient il y a une simulation, inquiétez-vous pas, il n'y a pas d'urgence. Malheureusement, les gens, quand c'est super réaliste, ils rentrent dedans puis ils pensent que ça arrive pour de vrai. Alors, gardez ça en tête si vous essayez de faire une simulation à quelque part. Assurez-vous que les gens sont au courant. Et encore une fois, ici, vous pouvez voir un petit peu mieux, elle est en train de crier. Il y a un petit bébé qui est en train de sortir. Puis tous les apprenants ont vraiment, vraiment apprécié l'expérience parce qu'ils ont réalisé pas mal vite que quand ils n'ont pas le bon équipement, ça change complètement la game. Puis à ce moment-là, il faut utiliser notre créativité pour figurer comment résoudre les petits problèmes qui peuvent se présenter. Oui. L'historique de la simulation. Ça, c'est une de mes photos préférées. Ah oui, une question. J'ai manqué, vous avez mentionné couper le cordon ombilical. Oui. Avec ben, quoi? Ben, OK. Ben, on peut en parler brièvement. Quand dans un hôpital, on va clamper le cordon puis on le coupe avec des ciseaux. Oui. Mais si on est à l'extérieur de l'hôpital, c'est une question que les gens ont eue. So, là, je suis en train de me faire filmer à la télé, alors il faut que je fasse attention à ce que je dis parce que ça va sonner fou, mais des exemples qu'on donnait, c'est si on utilisait des lacets de souliers pour attacher le cordon. Là, on pouvait trouver quelque chose de coupant pour le couper, mais espérons que ça ne va pas paraître à la télé, ça, parce que c'est pas de la vraie médecine. C'est un peu différent, ça. Alors ça, c'est un exemple. Dans le 18e siècle, il y a de la simulation qui se faisait. On pratiquait des accouchements. Et ça, c'est dans un musée en France en ce moment. Alors, tu sais, les gens modernes disent « Hey, on a figuré la simulation, on est vraiment bon récemment », mais tout ce stuff-là, ça se faisait avant. Alors ça, c'est vraiment une de mes photos préférées. Ici, on a le placenta avec le cordon ombilical, avec le bébé qui est sorti de l'utérus. Alors, tout ça, ça peut être recréé. Maintenant, c'est un peu plus réaliste, mais les gens pratiquaient quand même. Ça, c'est un simulateur pendant la Première Guerre mondiale où les gens pouvaient pratiquer à utiliser leurs chevaux parce qu'il y avait des gens qui n'avaient jamais été à cheval avant. Alors, eux autres pouvaient... Ça a l'air un peu comme un manège que les enfants ont dans les centres d'achat maintenant. Mais dans ce temps-là, c'était pour pratiquer à comment embarquer pour rester sur les chevaux. Alors, ça se faisait il y a longtemps. Ça, c'est un de mes préférés. Ça, c'est dans un musée aux États-Unis quand ils faisaient les simulations pour les avions, comme quelqu'un a mentionné plus tôt. On passait des pilotes là-dedans, ça coûtait 200 fois moins cher que de pratiquer dans un avion. Alors, on sauve des sous, les gens peuvent pratiquer plusieurs fois, comme ça, ils ont besoin de pratiquer un petit peu moins souvent dans le vrai avion. On sauve plein d'argent et tout le monde a la chance de pratiquer. Alors, ça, c'est un autre exemple de simulation. Maintenant, on arrive en médecine. Ça, c'est probablement une de mes photos préférées en simulation. Je vais rester de ce bord-là. Son nom, c'est Harvey. Ça, c'est un mannequin qu'on utilise surtout en médecine interne pour faire des auscultations. Comme ça, on peut entendre les différents bruits cardiaques. Parce que différents bruits dans le cœur peuvent vouloir dire différentes choses. Des fois, c'est des urgences, des fois, ce n'est pas des urgences. Alors, avec ça, à la surface, c'est juste un mannequin, mais c'est comme un iceberg.
en dessous de la surface, il y a une tonne de machinerie qui est utilisée pour faire des petits bruits qui sortent ici. Alors, c'est la même idée avec les machines pour... c'est quoi l'exemple que j'allais utiliser? Avec, bien, comme des mannequins maintenant. Tout est inclus dans le mannequin maintenant. C'est un petit morceau. Il n'y a rien en dessous, là. C'est juste une civière. Mais dans l'ancien temps, pour faire fonctionner les machines, il fallait utiliser ça. L'exemple que j'allais utiliser, c'est les anciens ordinateurs. Avant, on avait une salle complète juste pour la grande partie de l'ordinateur. Puis à côté, il y avait un petit écran dans une autre salle. Alors ça, c'est un peu comme dans l'ancien temps. Mais c'est juste pour montrer qu'on est venu pas mal loin de ça aujourd'hui, où tout est compact à l'intérieur. Ça, j'aime toujours mettre des photos des membres de ma famille. Alors ça, c'est un atelier où je suis allé en Suisse, puis je voulais prendre une photo avec mon bébé. Sauf que c'est pas un vrai bébé. C'est une poupée. Mais c'est tellement réaliste que les gens pensent que c'est une vraie... Pardon? Entre le bébé et moi? Oui, merci. Alors, en tout cas, moi, j'aime jouer des petites blagues. Alors, je me promenais avec le bébé, puis je le donnais à des gens, puis il y avait un petit peu peur. Je ne leur lançais pas. Je leur donnais délicatement, puis pour une fraction de seconde, ils pensaient que c'était un vrai bébé. Alors, la technologie maintenant est tellement réaliste qu'on est capable d'avoir des poupées très réelles. Alors, j'ai trouvé ça vraiment cool. Ça, je voulais le mettre comme photo pour vous. La simulation aujourd'hui est un peu partout. Dans les journaux, il y a des journaux académiques qui parlent uniquement de simulation. On a des conférences internationales sur la simulation. On a des conférences nationales. Il y en a tout partout en ce moment. Il y a des marchés complets de produits qui existent pour l'industrie de la simulation, comme on a ici, puis avec le petit bébé qu'on a vu tout à l'heure, puis tous les mannequins qu'on utilise. Il y a même des cours pour le debriefing. Le debriefing, c'est ma passion. La discussion qui a lieu après la simulation, où on peut poser des questions intéressantes, stimuler la pensée des apprenants et les faire réfléchir sur leur comportement, ça, c'est ce que j'aime le plus. Vous allez voir un petit exemple à la fin aujourd'hui. Malheureusement, ça va être une version très abrégée, mais ça va vous donner une idée des genres de questions qu'on pose. Puis il y a des cours qui s'offrent là-dessus en ce moment. Alors moi, je suis un instructeur pour certains de ces cours-là maintenant, parce que les gens qui commencent en simulation, c'est plus une question de dire « Est-ce que c'est bien allé? » Est-ce que tu as eu du plaisir? Parce que c'est pas vraiment ça le point. S'il y a du plaisir, c'est le fun, mais on veut qu'il y ait de l'apprentissage. C'est vraiment ça la priorité. All right. Là, on s'en vient à la partie amusante. L'anatomie d'une simulation. Il y a trois étapes à une simulation. Il y a le pré-briefage, la simulation comme telle et le débriefing qui a lieu à la fin. Moi, je passe une éternité avec mes apprenants à parler du pré-briefage. Je leur fais rentrer dans la salle avant, on jase, je les relaxe parce qu'ils sont super stressés, parce qu'ils ont vraiment peur de performer en avant de leurs amis et de leurs collègues. Alors, on parle, on joue avec le mannequin, je leur montre comment tout fonctionne, je m'assure qu'ils comprennent ce qu'on va faire et je leur donne les objectifs. L'objectif de ce soir avec la simulation, pour que vous le sachiez, c'est que c'est au sujet de la communication. Le groupe qui va venir faire une simulation, on va prendre des bénévoles dans une minute. C'est pas vrai, inquiétez-vous pas. Ce qui va arriver, c'est qu'on va parler de la communication, puis dans les debriefings, on va vraiment juste se concentrer sur ce point-là. Alors, moi, je dirais aux apprenants, aujourd'hui, votre simulation va être un arrêt cardiaque et je veux que vous mettiez l'emphase sur la communication efficace. Ça, c'est ce que je veux qu'on travaille dessus. Alors là, les apprenants vont savoir que c'est ça que je veux faire avec eux. Je ne vais pas leur parler de toutes les autres choses. C'est là-dessus qu'on va concentrer. Une simulation. Alors, le pré-briefage, c'est vraiment pour mettre les gens à l'aise, pour présenter les objectifs. Au niveau de la simulation comme telle, la durée peut être variable. On n'a pas besoin de faire des simulations de 30-40 minutes pour qu'il y ait de l'apprentissage. Après 5-10 minutes, les gens sont tellement stimulés puis stressés qu'on peut arrêter puis aller discuter. Ensuite, on peut revenir faire une deuxième simulation une fois que les gens ont eu le temps de décompresser un petit peu. Parce que la pire chose qu'on peut faire, c'est de trop stresser les gens. Parce que s'il y a trop de cortisol dans le corps, ça a été prouvé qu'on ne se souvient de rien. Il y a des gens qui font de la recherche purement sur le stress. Et comment ça affecte la façon qu'on retient l'information. Alors, on veut qu'il y ait du fun, on veut qu'il soit un tout petit peu stressé parce qu'il faut que ça soit réel, mais on n'est pas là pour les traumatiser parce que ça vaut absolument rien. Et il faut choisir la bonne modalité. Si on veut qu'un apprenant, comme un étudiant en médecine au début de leur pratique, au début de leur formation, apprenne comment poser des questions au sujet de la dépression, il y a certaines questions qu'ils doivent apprendre à poser. Alors, on n'a pas besoin d'un mannequin pour ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a juste besoin de faire une interaction avec un patient standardisé qui a un certain script pour dire que, oui, j'ai certains symptômes, non, j'ai pas d'autres symptômes.
C'est un peu comme ça qu'on peut faire en sorte que les gens apprennent. Enfin, ma passion, le debriefing. L'idée, c'est de discuter du scénario, d'encourager les gens à réfléchir sur leur comportement, de répondre à leurs questions. Parce que tous les apprenants, la première question, c'est « Est-ce que j'ai donné la bonne dose du médicament? » Est-ce que j'ai donné le bon médicament? Parce que, tu sais, au début, j'ai dit que je ne savais pas quel médicament donner quand la simulation est mal allée pour moi. C'est un peu la même chose. Est-ce que j'ai donné le bon stuff? Puis ça, c'est ce qu'ils veulent savoir. Une fois que tu as fait ça, là, ils vont être plus relax et tu peux poser les questions sur d'autres sujets parce qu'ils vont être moins tracassés par cette idée-là. Et ensuite, à la fin, tu fais les points clés de la session pour leur dire « Souvenez-vous de ça et de ça pour la prochaine fois. » Et là, on va aller faire une deuxième simulation ensemble. Ça, c'est vraiment les trois étapes d'une simulation. Et on va laisser... Ça, c'est juste différentes technologies qui existent avec... Vraiment, c'est la réalité virtuelle. Alors ça, c'est juste pour donner des exemples de différentes choses qui existent. On n'utilise pas tout ça ici maintenant, mais c'est juste des choses qui s'en viennent de plus en plus. On va faire une petite simulation pour vous qui va durer environ 7 à 8 minutes. Et ensuite, on va faire un petit debriefing. Là, je vois les gens qui deviennent un peu stressés parce qu'ils disent qui va venir en avant faire cette affaire-là. Inquiétez-vous pas pour ça. On a déjà une bénévole, une de nos patientes partenaires extraordinaires. Elle s'appelle Mme Malt. Elle nous a aidés avec plusieurs différents projets au fil des années. Puis c'est une de nos patientes partenaires ici à Montfort. Elle a été assez gracieuse pour offrir de participer ce soir. On ne lui a pas dit il y a 15 minutes, là. Elle a eu un petit peu de préparation, alors inquiétez-vous pas. Vous voulez monter? Merci, Charles. De rien. Madame Malt va jouer le rôle de l'épouse de notre patient ici, M. Tremblay. Et il y a quelque chose qui va se passer avec M. Tremblay. Et on va être obligé de réagir à cette situation-là. Moi, je vais débarquer de la scène pendant que ça se passe. Alors, comme j'ai dit, ça va aller pour 6 à 7 minutes. Ensuite, très rapidement, on va mettre des chaises sur la scène et je vais donner un petit exemple rapide d'un debriefing. Et on va parler un petit peu en groupe. Et ensuite de ça, je vais faire les messages clés et ça va être la fin de la session. Puis on va avoir du temps pour répondre à vos questions. Alors, je cède la scène à Mme Malt. Allons-y. La simulation est partie. Hey, John. As-tu vu le voyage qu'ils sont pour aller au Cuba? Hey, c'est pas cher, là. 550 pour deux personnes parce qu'on y va au mois de mai. Ouais. Je suis pas sûre. C'est ça. John. John. Tu réponds. John. Garde Sophie. Garde Sophie. Il n'est pas correct. Moi, j'étais sûre qu'il m'écoutait, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'entend rien. Ah. Mais je parlais du Faites-moi voyage. Faites-moi une place un petit peu. Oui. Monsieur Tremblay? Il n'y a pas de pouton. C'est vous, madame? J'ai besoin d'aide. On a un code bleu. Excellente question, continue. N'oublie pas de changer aux deux minutes quand tu vas être fatigué comme Zalo. Wally, parfait, on va mettre les pads. On va allumer justement le défibrillateur moniteur. Hélène, comment est-ce qu'ils vont les ventilations? J'ai une bonne voie aérienne. Oh, mais Sophie, c'est pas normal. Parfait, une fois que le moniteur va être prêt, on va juste faire une pause pour analyser le rythme. Juste bougez pas, OK? OK, parfait. T'es Eric, à trois. On va terminer, on va juste faire une pause pour pouvoir regarder notre rythme, OK? Fait, un, deux, trois, John, pause. Est-ce qu'on a un pouls, là? Non, c'est pas normal, Sophie, ça. OK, vie faible, pas de pouls, on continue à faire les compressions. On change à 200 joules, s'il vous plaît. Absolument. Oh, mais
Puis Sophie, tu m'avais dit que ça va bien été, la chirurgie. Comment ça se fait que c'est le cœur tout d'un coup? Je suis rendue à 200. OK, charge. OK. Continue les compressions. On est prêt? Parfait. On arrête les compressions. Tout le monde recule. 1, 2, 3. On choque. C'est fait. OK, prépare-moi 1 mg d'épinéphrine IV. Absolument, je prépare ça. Parfait, c'est beau les compressions, les gars. Vous les voyez dans le corridor, madame? Hein? Et là, les ventilations, ça va bien? Je vous donne confiance. Oui. OK. On a un L'épinéphrine, 1 mg donné. Excellent. Ça fait 2 minutes le choc. Ça fait déjà 2 minutes le choc. OK, parfait. Et quand tu as fini ton cycle de 30 compressions, on va faire une autre pause pour analyser les rythmes et voir si on a un coup. Est-ce que je vais préparer autre chose que médicament? Après le prochain choc, si c'est choquable, on va préparer amiodarone 300 mg. Okay, je fais tant de choses. Non, moi, je vais pas le faire passer. Je vais savoir ce qui se passe. 3, 2, 1. Parfait. On regarde le rythme. Hélène, est-ce que j'ai un coup? Toujours en fibrillation ventriculaire. Évidemment, pas de coup. On continue les compressions. Tu prépares pour un deuxième choc. C'est beau. Choc à 200? Oui. OK. C'est prêt? Parfait. Charge. Mais ça travaille du temps. Chargé. On arrête les compressions. On recule. 1, 2, 3, tout le monde est clair. Choc donné. Parfait, côté compression. Fait que tu vas pouvoir m'administrer l'amiodarone 300 mg quand tu vas être capable. L'amiodarone est prêt. Je le donne. John, ça va, là. Et puis, à 3 minutes. Mon John. Amiodarone, 300 mg donné. Excellent. Peux-tu préparer un autre milligramme d'épinéphrine? Absolument, je fais ça. Et moi, j'ai de la misère à respirer. Je n'ai pas d'information. Je ne sais pas ce qui se passe, Sophie. Sophie. Soyez-vous. Je sais. Parce que là, on est occupé. Soyez-vous, là. J'aimerais que ça ralentisse un peu les compressions. Ça reste 3 minutes. Ça reste 3 minutes pour l'épinéphrine? Oui. Est-ce qu'on peut donner un autre milligramme d'épinéphrine, Wally, s'il te plaît? Absolument, je l'ai prêt. 1 mg d'épinéphrine donnée. Excellent. Le choc, c'est la respiration. S'il ne respire pas maintenant, il respire jamais. Quand il finit son travail. Parfait, ça, tu comprends, Gonzalo? Oui. Fait qu'à ta 30e compression, on va faire une pause. On va analyser les rythmes du coup. Est-ce que j'aimerais préparer autre chose comme médicament? Pour l'instant, on va juste attendre voir. On attend un peu, ouais. C'est beau. 32, 33, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 30. Parfait, on fait une pause, on analyse le rythme. C'est beau. Parfait, on dirait un rythme sinusal. Ouais. Excellent, est-ce qu'on a un pouls? Oui, j'ai un pouls. On a un pouls, parfait. Est-ce qu'on peut juste évaluer l'état d'éveil de monsieur? Est-ce qu'il respire spontanément? Est-ce qu'il respire tout seul? On dirait qu'il respire, ouais. Okay, le pouls est là, il respire bien. D'accord. Est-ce que je peux avoir des signes vitaux, s'il vous plaît? Je fais ça tout de suite, juste dans la piste. Attends, désolé. George, tu sais. Monsieur? Monsieur? Tout est correct. Est-ce que vous pouvez ouvrir vos yeux? Bien sûr. OK, fait qu'il répond pas, on va juste voir. Mais ça a plus du pain. OK, il répond à la douleur. Juste à cause que c'est un état de conscience diminué, on va anticiper justement une intubation. OK? Fait que tu peux commencer à préparer pour une intubation. Et puis quand tu vas être prête avec les signes vitaux? Pression 90 sur 40. Respiration à 25, saturation 95%. OK, avec le bilium. Ouais. Le plus détecteur. OK, au 79, c'est que ça correspond justement. All right, on va arrêter la simulation. Donnez une bonne main d'applaudissement à nos participants. Alors ça, c'est la partie du debriefing où je sais que tout le monde a le cœur qui pompe super, super vite puis que les gens sont stressés. Alors, je commence toujours par parler leurs émotions brièvement pour dire comment que les gens se sentent. Alors, Mme Malt, comment est-ce que tu t'es sentie dans cette simulation-là? Bien, c'est sûr que Sophie était bien occupée, mais ça demeure que la personne qui est à côté ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Surtout moi, je questionnais le fait que ça avait à faire avec les intestins. Tout d'un coup, pourquoi qu'il faisait un code bleu, que son cœur ne fonctionnait pas. Puis c'est là que je n'avais pas de réponse pour savoir comment ça se fait qu'on est rendu à ce point-là, parce que d'après moi, l'opération avait bien été, c'était un succès,
mais je n'ai pas au bout d'avoir de réponse de l'infirmière. Alors, je trouvais ça un peu difficile. Autant que je ne suis pas une personne qui panique naturellement, c'est sûr qu'on risque de le perdre. Et puis, dans une vraie... Si ça arrivait pour le vrai, c'est vraiment inquiétant. Alors, il faut que la conjointe ou la personne qui l'accompagne soit informée un peu parce qu'elle est exactement là. Elle ne sait absolument pas ce qui se passe. Il y a des chances que la personne meure là et puis on n'a rien pu faire. On se sent vraiment impuissant. Alors, comment est-ce que toi, tu te sentais, Sophie? Bien là, c'était beaucoup. Elle avait des questions, il voulait des choses, il fallait que je documente. J'étais un peu étourdie. Puis moi, là, quand la famille est là, je suis bien mal à l'aise. Fait que j'ai l'impression que si je les ignore, ils ne sont pas là. Ah! Okay. Là, on a un peu une idée de ce qui se passait dans sa tête, hein? Parce que peut-être qu'on pensait qu'elle était juste bête puis qu'elle ne voulait pas lui parler. Mais là, on a un petit indice de peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui se passait. Moëlie, comment tu te sentais? Oui, bien, c'est passé quand même assez vite. Et puis surtout, quand on a un patient qui va mal, on entend beaucoup de voix, on entend beaucoup de bruit, la machine qui sonne, des gens qui parlent. J'essaie de me concentrer sur ce que dit le médecin, mais comme ça peut être stressant. On essaie d'agir vite, mais je t'ai même pas vu. Intéressant. Elle a même pas vu. Il y a tellement de choses qui se passaient. Sur ça, on peut avoir une belle discussion là-dessus après. Éric, comment tu te sentais? Moi, je me sens encore un peu stressé. Je faisais la simulation, mais je n'étais pas trop sûr quoi faire parce que c'était la première fois que ça m'arrivait. Je faisais mes compressions, j'essayais de donner de l'aide, mais je n'étais pas trop sûr. Je pense que j'aurais pu mieux faire que ça. OK. Moi aussi, j'étais stressée parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas pratiqué. Puis, je n'étais pas sûre quel était mon rôle. Heureusement, Pierre-Marc, il me guidait un peu, il me donnait il me demandait des choses spécifiques, ce qui m'a aidée, mais j'étais stressée aussi. Et je suis stressée aussi, et vraiment. Et j'ai trouvé que faire compréposer pour faire les compressions, c'est une responsabilité qu'il faut le faire d'une façon de qualité. C'est pour ça qu'avec Pierre-Marc, on regardait que peut-être Éric était un petit peu fatigué, et on a trouvé qu'avec Éric une bonne communication, donc on essayait de faire le mieux. Super, merci. La seule chose que je voudrais demander, Richard, est-ce que le patient, pendant que ça lui arrive, est un petit peu conscient et entend les voix? C'est ça, je ne sais pas. C'est une bonne question. On va revenir à cette question-là, OK? Je veux avoir les émotions de Pierre-Marc, parce qu'on ne peut pas ignorer le leader non plus. Parce que... Tu semblais prendre le rôle de leader dans cette simulation-là. Alors, comment est-ce que tu t'es senti? En tout cas, j'essayais. Dans le fond, je me suis quand même bien senti, parce que c'était relativement commun là, au niveau expérience, surtout dans un haut niveau d'un code bleu, ou de gérer un patient qui est en arrêt cardio-respiratoire. C'est sûr qu'il y a une période de stress, mais on dirait, aussitôt qu'on embarque dans... nos algorithmes, c'est là qu'il y a comme un peu un calme, puis on exécute selon ce qu'on a à faire, dépendamment de la présentation du patient, puis du problème en tant que tel. Donc, puis évidemment, même malgré les commentaires qu'on a eus, l'équipe était super bien organisée, tout le monde savait qu'est-ce qu'il fallait faire. Malheureusement, c'est ça, on a peut-être ignoré davantage le membre de famille, puis ça, c'est quand même super important, là, puis ça souligne vraiment le problème en tant que tel là, pour la simulation, mais règle générale, je me suis bien senti. So, pour faire un petit résumé des émotions, on a entendu des gens qui étaient stressés, on a entendu des gens qui se sentaient ignorés, on a entendu des gens qui se sentaient un peu débordés. Alors ça, c'est des exemples de sujets desquels on pourrait discuter lors de la simulation, lors du debriefing. Dans l'intérêt du temps pour ce soir, on va se concentrer sur la communication, parce que comme j'ai dit au début, ça c'était l'objectif. Et eux autres savaient que l'objectif ce soir, c'était de parler de la communication. Alors, dans le debriefing, je leur dirais, bon, maintenant, on va parler spécifiquement de la communication dans la simulation. Alors, si on parle de communication, est-ce que quelqu'un pourrait me donner un exemple de quelque chose qui est bien allé? Oui, Moëlie? Oui, j'entendais toujours Pierre-Marc. Alors, ses consignes étaient très claires. J'entendais l'équipe aussi. C'est pas, il y avait un peu de chaos, c'est certain, mais j'entendais tout le monde. On parlait... Et on était capable de s'échanger, de se comprendre. Parfait. Good. So, les gens s'entendaient et se comprenaient. Alors, c'est parfait. Oui, Gonzalo?
Oui, la communication, comme j'avais dit avec Eric, c'était parfait parce que on se parle, on te dit, ok, je suis fatigué. La prochaine fois, c'est toi qui va faire les compressions. C'est bien fait. Excellent, oui. Je ne sais pas si les gens pouvaient entendre, mais Eric et Gonzalo se parlaient entre eux. Ils disaient, ok, après la prochaine séquence, on va changer parce que nos amis en avant, vous avez fait des compressions plus tôt ce soir, puis c'est fatigant, hein? C'est vraiment difficile sur les muscles. Eux autres sont super forts. Après 2 minutes, ils sont finis. Ils sont en sueur et sont vraiment fatigués parce que c'est très difficile. Alors, c'est ça l'idée de pouvoir continuer à changer. Et c'était tellement bien fait que Pierre-Marc n'avait pas nécessairement besoin de leur dire de changer à chaque fois. C'était comme une petite équipe à deux, puis c'était tellement efficace que toi, tu pouvais concentrer sur d'autres choses. Mm-hmm. Ça, c'était vraiment, vraiment bien fait. Alors, merci pour cet exemple-là. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez trouvé difficile dans cette simulation-là? Bien, dans le fond, en partie pour la communication, il y a la communication avec l'équipe, mais il y avait la communication, dans le fond, avec la famille et le patient. Évidemment, le patient n'était pas en état de pouvoir communiquer en tant que tel, mais la famille, c'est quand même super important de les garder au courant puis de les rassurer sur ce qui se passe. De là aussi les commentaires qu'on a eus au début du débrief. Mm-hmm. Fait que c'était vraiment ça, je pense, c'était le manque de communication avec Madame. C'est là que je me demande, est-ce que la personne entend, parce que est-ce que c'est rassurant pour la personne de savoir que la conjointe est encore là pour le sécuriser, ou il est vraiment parti, puis qu'elle soit là, qu'elle soit pas là, ça ne change rien? Chaque expérience est différente. Je crois qu'avec l'information, ça peut quand même porter à rassurer les membres de famille. Plus que soit les garder soit dans le noir, ou même qu'ils ne soient même pas au présent avec une situation de crise. Encore, ça dépend de la situation puis ce qui se passe, mais règle générale, une communication avec les membres de famille, c'est quand même essentiel. Là, vous voyez, ça, c'est une équipe quand même assez... c'est une équipe très compétente. Eux autres sont capables de se parler entre eux. J'ai pas besoin de poser des questions spécifiques à chaque personne pour leur faire parler. Alors, pour moi, le debriefing est quand même assez facile parce que de l'autocritique, ils trouvent des solutions à leurs propres questions. Alors, c'est comme un debriefing de rêve en ce moment, parce que c'est comme une équipe de vedettes, là. C'est pas toujours comme ça, puis des fois, il faut aller chercher les gens puis poser des questions très spécifiques pour leur faire parler, parce que quelqu'un peut se sentir vraiment mal puis être silencieux puis pas vouloir parler. Alors, des fois, il faut poser des questions spécifiques. Alors, dans l'intérêt d'apprendre quelque chose dans cette simulation-là, pouvez-vous penser... J'ai entendu que c'était difficile pour toi parce que tu voulais de l'information au sujet de ton conjoint. Tu demandais à Sophie, puis Sophie était pas mal occupée avec plein de choses en même temps. Alors, je pose la question à tout le monde. Pouvez-vous penser à une stratégie qui pourrait aider à dealer avec ça? Bien, je pense qu'elle avait beaucoup de questions, puis moins je répondais, plus elle en avait. Si je m'étais arrêtée 30 secondes, puis que j'y avais dit, « On s'occupe de votre mari, je sais que vous êtes là, puis je vais me concentrer, puis je vais revenir après », bien, je pense qu'elle aurait arrêté de poser des questions, puis elle aurait peut-être été rassurée qu'on le sait qu'elle est là, mais que là, c'était pas le temps. Excellent. Cela, on a vu qu'elle a fait une petite réflexion personnelle, puis qu'elle a trouvé une solution. Et là, toute l'équipe est au courant de cette solution-là. Est-ce que ça fait du sens pour toi, ce que Sophie vient de dire? Oui, parce que moi, quand je regardais, j'ai rentré dans le jeu au point que j'étais tellement inquiète pour mon époux que je voyais même pas qui pesait, puis qui changeait de place, puis qui collaborait, puis qui collaborait pas. Puis ça avait l'air une équipe qui travaillait, mais c'était comme j'étais à l'extérieur de la bulle totalement. Puis eux autres faisaient leur travail, puis ils allaient par là. Ouais. Et c'est intéressant. Il y a des recherches qui ont démontré que il y a plus de satisfaction pour la famille s'ils sont présents lors d'une réanimation. Même si ça ne va pas bien, puis peut-être le patient décède à la fin, si la famille est là et qu'ils voient ce qui se passe, ils vont moins voir que l'équipe a travaillé super fort puis qu'ils ont tout fait ce qu'ils pouvaient faire, plutôt qu'à être cachés dans le corridor puis qu'ensuite ils disent « ben là, qu'est-ce qu'ils ont fait? » T'sais, on ne sait pas ce qui est arrivé à leur partenaire. Alors, ouais. Alors dans l'intérêt du temps, on va essentiellement arrêter le debriefing ici. Je finirai en disant, OK, au point de vue de, si je peux faire un sommaire du cas, on avait un patient qui était post-chirurgie, qui a eu un arrêt cardiaque. Il fallait faire de la réanimation. Et en équipe, on a travaillé vraiment comme il faut, puis on a fait de la très belle communication à boucle fermée, puis on a réussi à ramener le patient à la fin. Alors vraiment, ça a super bien marché pour vous. Puis comme on a dit comme message clé, peut-être prendre quelques secondes avec la famille au début, ça va faire en sorte que par la suite, eux autres vont être moins stressés. Puis l'équipe pourra concentrer sur le patient et pas nécessairement être obligé d'essayer de répondre à des questions constamment. Alors,
Ça, c'est un debriefing de comme 5 minutes. Normalement, les debriefings dureraient peut-être 25 minutes. Il y aurait beaucoup plus de discussions, mais l'équipe a été très gentille. Ils ont gardé la réponse courte par exprès. Il y aurait beaucoup, beaucoup d'autres sujets desquels on pourrait discuter, mais j'aimerais prendre un moment pour les remercier. Alors, Gonzalo, je vais juste la présenter très rapidement. Gonzalo Blanco, c'est un de nos techniciens en simulation. C'est lui que je disais, c'est un de ceux qui fait la peau et qui fait toute la magie. C'est un magicien avec les matériaux. Hélène Brunette, c'est une de nos gestionnaires à l'Institut du Savoie-Montfort. Elle était thérapeute respiratoire dans une autre vie. Et ça fait un petit bout de temps qu'elle n'a pas fait ça. Alors, c'est pour ça qu'elle disait qu'elle était nerveuse d'être là, mais elle a fait une super belle job. Éric Tassé, c'est un autre de nos techniciens en simulation. Lui, il est magique avec tout ce qui est technologie. Moali, c'est une de nos infirmières éducatrices qui aide à préparer des simulations et aide à faire la formation des employés à l'hôpital. Sophie Audet, c'est une autre de nos éducatrices infirmières cliniques qui aide beaucoup à créer des formations. C'est Sophie qui a créé cette simulation-là avec l'équipe. Madame Malt, on l'a déjà présenté, Francine Malt, qui est une de nos patientes partenaires à l'hôpital, qui est impliquée dans beaucoup de projets. Et Pierre-Marc Dion, qui est un des infirmiers ici à l'urgence à l'hôpital, qui était militaire dans le passé, puis qui est un de nos instructeurs. Alors, c'est vraiment une équipe riche, et j'aimerais qu'on leur donne une main d'applaudissement pour leur aide. Alors, merci beaucoup. Alors, essentiellement, pour clore cette session ensemble, il y a différents messages clés. Tu peux laisser là. L'idée de la simulation, c'est que c'est un apprentissage interactif. Comme vous avez vu, on avait des gens qui faisaient plein de choses, et les recherches ont démontré que quand les gens participent ou quand les gens observent quelque chose comme ça, ils retiennent beaucoup plus que s'ils faisaient juste le lire dans un livre ou l'écouter dans une lecture didactique. Alors ça, c'est vraiment un des grands avantages de la simulation. L'idée de pouvoir pratiquer les habiletés techniques, comme par exemple des compressions, à la fin, j'aurais pu leur montrer la petite machine que j'avais, puis leur dire, « Hey, les gars, vos compressions, là, 99 % des compressions étaient assez profondes. Super, vous avez vraiment bien fait ça. » Ou j'aurais pu dire, « Tu sais, vos compressions, il y avait seulement la moitié qui était bonne. Alors, je voyais que vous étiez fatigué tôt. Alors, la prochaine fois, essayez de changer plus vite. » Alors, on peut faire de l'apprentissage là-dessus. Mais on peut aussi faire l'apprentissage sur les compétences non techniques comme la communication. Ça, c'est l'exemple qu'on a donné dans ce debriefing-là où on a vraiment parlé de ça. On peut favoriser une réflexion sur la pratique. On peut demander aux gens de penser à ce qu'ils ont fait puis comment ça pourrait changer dans le futur. Et finalement, comme j'ai mentionné plusieurs fois, l'idée de la sécurité. La sécurité pour l'apprenant, la sécurité pour le patient ou la patiente, la sécurité pour les instructeurs et l'idée de créer cette zone de contrôle. Comme ça, les gens peuvent pratiquer et pas avoir peur de faire des erreurs, parce que c'est comme ça qu'on va apprendre. Alors, moi, j'aimerais vous remercier énormément pour votre écoute. Et merci encore une fois à toute l'équipe qui ont aidé à monter cette simulation-là. Et toute l'équipe technique qui est ici. Vous ne savez pas ce qui se passe, mais il y a des fils tout partout pour tous les moniteurs, pour les écrans partout. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de travail pour ça. Alors, merci à tout le monde. C'est super apprécié. Ouais.